Aurel Moshe, plateforme du 10e arrondissement, nous offre depuis plus de 15 ans les moyens spirituels pour permettre à chacun de grandir et s'épanouir au service d'Hachem. Progressivement, Aurel Moshe s'est développé pour répondre aux besoins grandissants de la communauté. Tefilot, études, shiurim sont dispensés au quotidien pour répondre aux attentes de chacun. Plus de 500 personnes fréquentent Aurel Moshe chaque semaine. יניב שמעון בן רבי דניאל. Nous étions tous rassemblés autour d'un nouveau défi. Ouvrir un kollel d'Avrechim, Talmidei Chachamim. Tout cela n'a été possible et ne pourra se pérenniser que grâce à votre fidélité, votre soutien actif et votre partenariat au développement de la communauté. Nous avons reçu le soutien et les encouragements des grands de la génération. Raphaël Kanievski, Raf Gershon Edelstein et le Rav Aaron Leib Steinman. Baruch Hashem, nous pouvons constater aujourd'hui une grande réussite pour la réalisation de ce nouvel enjeu, avec actuellement un kollel de Dayanout. Nous avons bien compris que le but de l'homme sur terre est de servir Hachem, notre Créateur, en soutenant et en étudiant la Torah. Nous avons le devoir d'inculquer à nos enfants et de transmettre à la génération à venir l'amour de la Torah pour que eux aussi s'adonnent à son étude. Ce kollel de qualité doit continuer avec l'aide d'Hachem à s'agrandir. Pour cela, nous avons reçu les encouragements et la bracha des grands de notre génération qui de nouveau se sont unis à notre projet pour solliciter les efforts de chacun dans le but de renforcer la vie spirituelle de chacun d'entre nous.
l'évolution des progrès de notre société au niveau scientifique, médical ou technologique est une condition de notre bonheur matériel et de notre confort de vie. Le désir est le moteur du progrès et du bonheur matériel. L'illimité du progrès semble être à l'image de l'illimité de nos désirs. Tous ces progrès nous mettent à l'abri du besoin et nous libèrent en quelque sorte des nécessités naturelles et du travail qu'elles exigent. Cependant, si le progrès facilite la vie, il devient de par sa nature une source de frustration et d'addiction. Dit Razal, personne ne meurt en ayant assouvi ne serait-ce que la moitié de ses désirs. La satisfaction totale de l'homme est inenvisageable car aucun de ses progrès ne nous permet d'accéder à la sérénité de l'âme. Réalisons donc que le progrès demeure un moyen pour accéder à un certain bonheur purement virtuel et presque illusoire. Il ne constitue en rien le moyen de parvenir à une véritable plénitude de l'âme. Quels sont les moyens réels d'accéder dans notre génération au vrai bonheur, à la véritable sérénité? Est-elle vraiment possible? Hachem aurait-il créé donc un monde si merveilleux pour que toutes ces créatures n'y trouvent pas un épanouissement? Quel est donc le remède de l'humanité? Où l'homme peut-il puiser les sources du vrai bonheur? Hachem, qui est la source de toutes les bontés, en a certainement doté l'œuvre de ses mains. Seul le médecin qui comprend le mécanisme de la maladie est en mesure de le guérir. Les véritables sages de la Torah nous donnent la réponse. Le seul bonheur qui existe est celui qu'on porte en soi. Le bonheur spirituel d'une vie intérieure riche. Elle seule rend l'homme heureux. הם חושבים שהעולם עולה גם כסף, לא נכון. הכסף, הבנאדם מת, הכסף לא הולך לזה כסף. אתה תומך על השמונים, זה נשאר, אבל הכסף הזה, שם, נשאר בכסף. אין דרוק כזה. השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. השם ילחם לכם. Voilà. Allez.
Télédale.